Bonjour, merci de regarder cette vidéo. Je m'appelle Nicolas et avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2011. Pour de nombreuses personnes, le début de l'année, c'est l'occasion de se fixer de nouvelles résolutions. Moi, cette année, j'ai décidé de la consacrer au développement de mes projets web. Après avoir obtenu en septembre un master d'informatique et passé 3 années d'apprentissage en tant que développeur puis chef de projet, j'ai décidé de créer en octobre mon auto-entreprise spécialisée dans le développement de sites internet pour les entreprises et les particuliers. Mais comme de nombreuses personnes, j'ai également des projets personnels, des idées qui ne demandent qu'à être concrétisées mais pour lesquelles je manquais cruellement de temps. J'ai donc choisi de passer une année de ma vie à réaliser ces idées. Donc pour cela, j'ai créé le site 365-jour.fr. Ce site, c'est avant tout un défi personnel et sur une année. Cette année, donc, je la passerai à réaliser mes idées, des idées que j'ai accumulées depuis quelques mois, quelques années, que j'ai listées, que j'ai évaluées, que j'ai détaillées, et parmi lesquelles maintenant il faudra choisir pour ne garder que les plus pertinentes, les plus facilement réalisables. Sur ce site, vous trouverez des vidéos. J'en posterai environ une par jour, dans lesquelles je ferai part de mes avancements sur les différents projets et dans lesquelles je partagerai également des trucs et astuces concernant la création de sites internet. Ce projet, dans son ensemble, il a pour objectif de savoir si c'est réellement envisageable de gagner sa vie en éditant des sites internet. Non pas en les créant et en les vendant comme ferait une agence web, mais bien en les éditant et en étant rémunéré via la publicité et la vente d'abonnements. Donc pourquoi est-ce que j'ai créé ce site 365-jour.fr? Tout d'abord pour partager mon expérience. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir des idées plein la tête, mais on est moins nombreux à réellement se donner les moyens de les réaliser. Donc j'ai choisi moi de passer un an de ma vie à réaliser ces idées. Et je pense que de partager mon expérience, de partager mes doutes, mes échecs et j'espère également mes réussites, ça pourra en inciter d'autres à vraiment se lancer et se faire plaisir. Pour moi, ça va être également l'occasion de découvrir d'autres façons de penser, d'autres points de vue. J'attends pour cela des commentaires constructifs de votre part. Et ça va être également, comme je vous l'ai dit, le moyen de découvrir si réellement je peux gagner ma vie comme ça, ou bien s'il va falloir que je retourne sur le marché de l'emploi et que je bosse pour un patron. C'est également pour moi le moyen de promouvoir mes sites, mes projets, au travers de ces vidéos, et j'espère que de nombreuses personnes suivront ces vidéos. Enfin, le fait de devoir faire un rapport d'avancement quotidiennement sur ces projets, c'est un facteur de motivation et donc ça va vraiment me faire bouger, me motiver à développer ces projets-là et non pas à les arrêter après quelques semaines, quelques mois de développement. Donc maintenant, je suis sur le point de réserver le nom de domaine 365-jour.fr. Je développerai la page ensuite. Donc tout ça, ça fera l'objet de vidéos explicatives, bien sûr. Et maintenant, vous pouvez me suivre donc sur le site 365-jour.fr, sur mon fil Twitter, Nicolas Thomas, tout attaché. Ou bien sur Facebook, facebook.com/nicolas.thomas. Je vous invite également à partager cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a motivé, si vous trouvez que l'idée est bonne. Partagez-la, faites-la tourner et je vous en serai très reconnaissant. Merci.